Bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Elden Ring, vidéo qui vous montrera comment trouver ce magnifique set d'armure nommé Armure de la Nuit. Avant toute chose, si vous êtes intéressé par Twitch, sachez que je ne live plus, mais que j'ai un très bon ami qui va couvrir toute l'aventure en live dans la joie et la bonne humeur. Une section a également été ouverte sur son Discord, section dans laquelle je répondrai à toutes vos questions sur le DLC et sur Elden Ring en général. Tous les liens sont dans le commentaire épinglé, sous la vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, passons aux explications. Si vous êtes intéressé par les statistiques, sachez qu'il s'agit d'une armure moyenne qui ne pèse pas très lourd, mais qui offre quand même une protection assez intéressante. Après, son intérêt principal résidera surtout dans l'aspect cosmétique de la chose, faisant penser de loin au personnage de Sauron. Si vous appréciez le RP, c'est pour vous. Le seul petit bémol que je lui trouve est au niveau du dos. Je pense sincèrement qu'une cape aurait été bienvenue et j'ai vérifié dans l'onglet modifications de vêtements, on ne peut malheureusement pas en rajouter une. Tant pis, peut-être dans une future mise à jour, qui sait. Pour le bouclier, il s'agit d'un tout petit bouclier avec des propriétés défensives magiques et une cendre de guerre tirant un projectile qui sera plus puissant si vous venez de bloquer une attaque. Mais bon, vu les stats défensives, autant juste l'oublier. Pour trouver ce set maintenant, rien de bien compliqué, mais il va falloir explorer un peu. Pour le début du chemin, on se rend au site de grâce Croix de la Chaussée Royale. Ensuite, il faudra se rendre aux ruines de Morte, emprunter un passage secret menant au village de Bonny, puis descendre au fond des geôles de Bonny. Rien que ça. Je pars donc du fameux site de grâce Croix de la Chaussée Royale et je vous laisse le trajet en musique, sans cut et sans accélération. Bonne balade. Bon, j'ai menti, je vous accélère quand même l'échelle, sinon demain on y est encore. Thank you.
Faites simplement attention en arrivant dans cette pièce, pour vous la porte du fond sera fermée. Si vous êtes suivi par plusieurs ennemis, n'oubliez pas de les tuer avant. Une fois ici, il faudra sauter sur l'ascenseur pot, mais l'armure ne se trouve pas en bas. Une fois descendu donc, remontez directement dessus et il vous emmènera un étage plus haut, ce qui vous donnera accès au 7. Voilà, plus qu'à le prendre. Pour le bouclier, il faudra monter l'escalier. Attention, une créature va vous attendre en haut, tuez-la et le bouclier sera sur le rebord juste en face de vous. Petite information supplémentaire, si vous revenez au niveau des pots et que vous descendez à nouveau, en suivant le chemin devant vous, vous trouverez un boss assez facile à tuer qui vous donnera une invocation plutôt sympathique. Mais bon, je vous laisse la surprise, je n'en dis pas plus. Mais voilà, c'est tout pour moi, la vidéo vous a plu, un like, un commentaire et un abonnement permettent d'avoir plus de visibilité et donc de promouvoir la chaîne gratuitement. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord et la chaîne Twitch de l'ami iBillyICanFly, prenez soin de vous et à très vite, salut, ciao. Ciao.